Donc nous allons vous montrer un peu l'entretien du grille-pain, donc très simple, à faire régulièrement. Alors là je dirais pratiquement une fois par semaine, puisque si on utilise tous les matins et qu'on fait griller du pain tous les matins, évidemment on a des miettes qui tombent à l'intérieur. Et très souvent ce qui se passe c'est que le chariot ne tient plus en plancher. Le chariot ne tient plus en plancher parce que tout simplement, c'est un... vous pouvez regarder à l'intérieur, il n'y a que des miettes de pain. Donc vous voyez à l'intérieur toutes les miettes de pain qui sont grillées, qui sont tombées au fond. Et ces miettes vont venir à un moment donné bloquer le chariot qui descend et empêcher le fonctionnement correct du grille-pain. Nettoyage tout simple à faire. Sur tous les grille-pains, vous avez un tiroir ici qui se trouve en dessous. Donc quelquefois bien intégré comme celui-là, on le voit à peine et les gens souvent on oublie. Donc on se met au-dessus d'un évier, on va tirer. Voilà. On va déjà retirer tout ce qui est là-dedans. Et ensuite, on va le retourner, le grille-pain. Et on va le secouer jusqu'à ce qu'il provient à l'intérieur. Une fois que c'est fait, eh bien, on remet le tiroir ici. Donc, on le refile. Voilà, on remet sa place. Et on peut regarder à l'intérieur la différence. Donc il en reste un tout petit peu, mais pas grand chose. Et là, je reste dans du raisonnable. Et si on regarde ce qu'il y a dans l'évier, donc évidemment, ça empêche le fonctionnement correct de votre grille-pain. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire sur votre grille-pain pour qu'il vous dure longtemps et qu'il fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne de Sparac à YouTube. Nous vous avons montré comment entretenir votre grille-pain. Vous avez d'autres vidéos de réparation, d'entretien sur l'univers électroménager, mais aussi piscine et jardin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez un petit encart à la fin de la vidéo qui vous permet de vous y abonner. A bientôt sur la chaîne de Sparac à YouTube.